épisode de podcast de l'Année Tricot. Oui, c'est un nouveau setup. Je pense pas que ce soit le définitif. Enfin, pour tout vous dire, on a changé de place. Aujourd'hui, pour le podcast, on est toujours à la boutique, mais je suis en train de faire des modifications de meubles et d'organisation au niveau des meubles et des espaces. Et du coup, là où on tournait d'habitude, donc côté boutique, là on est dans le deuxième espace. La boutique a trois espaces en longueur, si vous êtes jamais venu. Donc il y a le premier espace boutique, ici c'est le deuxième espace, c'était un espace atelier, mais maintenant c'est devenu un espace un peu polyvalent. Et le troisième espace que vous voyez un tout petit peu, c'est l'atelier. Donc c'est là qu'on fait tous les cours, les ateliers, tricoter et compagnie. Donc cet espace-là est actuellement en changement total. Je vais installer plus de lumière. Là vous me voyez bien parce que j'ai ma lampe blanche là énorme de studio. Mais sinon, en côté boutique, si vous n'avez pas vu les stories, j'ai mis sur Instagram, j'ai mis deux nouveaux meubles. Enfin bref, j'ai changé. Là actuellement derrière vous, là, devant moi, c'est un chaos total. Mais aujourd'hui, ils viennent nous installer plus de lumière parce que cet espace-là n'a pas de fenêtre. C'est l'espace qui est un peu entre les deux et du coup, c'est un peu sombre. Donc, on va faire installer des rails de LED en fait pour avoir beaucoup de lumière ici et pouvoir transformer cet espace en espace qui va être actuellement entre un espace boutique et un espace détente. Donc, je vais faire là en face de moi un espace salon. J'ai mis un petit bureau pour moi et pour faire les photos. Ensuite, il y a le porte-manteau et le meuble où je mets les commandes que je reçois pour les clientes de la boutique physique. Ce fauteuil-là va à l'espace détente. Et ici, tout ce côté-là, je vous ferai des petits films, en fait, que je vais insérer des petites vidéos malgré le chaos, mais bon, ça vous parle un peu si vous n'êtes jamais venu. Et du coup, ce mur-là va complètement devenir un mur boutique en fait. Donc là actuellement j'ai mis le meuble où il y a tous les catalogues, magazines et livres, et du coup il y aura au fur et à mesure un espace boutique. Donc je mettrai plus de laine, plus, voilà, ce qui devra venir au fur et à mesure. Et au milieu je vais laisser la table ronde qu'il y avait déjà là pour aussi présenter d'autres produits, etc. Donc voilà, donc l'espace boutique s'agrandit au fur et à mesure, et c'est quelque chose que je voulais faire depuis un petit moment. Et voilà, l'opportunité est venue et j'ai acheté des meubles et quoi que ce soit, et voilà, on commence à changer un tout petit peu ça. Donc en ce moment c'est un peu la période de transition, donc du coup là-bas c'était pas encore bien rangé, donc j'avais pas envie de tourner le podcast un peu, enfin que ce soit pas joli. Et du coup je me suis dit là au moins c'est un peu plus neutre et vous avez le joli fauteuil de Laura, parce que c'est le fauteuil de Laura. Car Laura passe beaucoup plus d'heures sur ce fauteuil à tricoter que moi, sachant que moi je tricote pas du tout, ou presque pas, ou presque jamais à la boutique. Donc voilà, c'est le fauteuil de Laura. C'est un cadeau que je lui ai fait pour son amitié et sa fidélité et son soutien. Donc c'est son fauteuil. Donc j'espère que le son et l'image est bonne. Si jamais c'est pas bon, je refilmerai. Mais j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. On est le mercredi 4 mars. Parce que j'ai fait beaucoup de choses et du coup j'avais envie de partager, sinon ça allait être trop long après pour la suite, et vous savez que j'ai toujours des petits créneaux pour tourner, donc j'avais envie que ça puisse rentrer dans un épisode. Et que voilà, j'avais vraiment envie de tourner le podcast et j'avais pas envie de rater le coche. Donc j'ai aujourd'hui du tricot, du filage et de la couture, des recommandations de livres en relation avec le tricot aussi. Donc c'est parti pour le programme. Donc aujourd'hui je portais, parce que là avec l'installation du podcast j'ai eu chaud, et du coup je portais en tricot, je portais mon Félix Cardigan, donc le voici, voilà. Je vous l'ai déjà présenté, je l'ai tricoté en laine à la fosse de l'Opi, et commence déjà à avoir une petite couche légère de bouloche, mais que j'enlèverai. À la fosse de Istex, pas de Lopi, pardon, c'est la grande sœur de la Let Lopi. C'est le cardigan qui a cette fameuse raglan en petit œillet. C'est un patron de Amy Herzog qui est sur Instagram, Savory Knitting, je crois que c'est elle. Et rien à dire d'autre, que je le mets énormément et que j'aime beaucoup. Voilà, ça c'était ce que je pense que je vais le mettre parce que j'aurai froid après en tournant le podcast. Et ce que je porte là maintenant, ce n'est pas juste un t-shirt, c'est une robe que j'ai fait il y a pas ce week-end, le week-end d'avant.
C'est la station adresse de So Liberated, qui est une marque américaine de patron indépendant de couture. Et du coup, j'ai fait la même version qu'elle est là sur ses photos. Elle avait mis sur ses photos quand elle a lancé le patron, quand le patron est sorti. Donc, c'est la version manche trois quarts avec la jupe version courte rallongée de 7 pouces. J'ai fait les modifications, enfin la seule modification qu'elle avait faite, c'était de rallonger la jupe. Parce que dans cette version de Rome, vous pouvez faire pas de manches, des manches courtes, des manches trois quarts, ou rallonger les manches si vous voulez et si vous savez faire. Et après, il y a la version très longue maxi dress qui arrive jusqu'au sol, et la version courte qui est au-dessus du genou. Et elle avait fait une version où elle avait rallongé de 7 pouces, et du coup, moi, ça m'avait plu, et j'ai fait exactement la même chose. Donc, je vais me lever, mais on ne voit pas, je pense pas que vous alliez voir, mais je posterai des photos sur Instagram si ça vous intéresse. Donc, pour le haut, c'est un col rond, pour le dos, c'est un peu, voilà, ça fait la même chose. Là, je le porte avec un débardeur en dessous, parce que c'est l'hiver et que je risque d'avoir un peu froid, donc je mets une deuxième couche. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est du jersey, alors c'est un jersey un jersey un peu poilu, enfin poilu. Il a un léger duvet, donc c'est parfait pour l'hiver. Donc voilà, je vous montrais le dos qui est un peu décolleté sur le bas, les manches trois quarts, et ensuite vous avez une sorte de. Le haut, il n'est pas droit, il y a une sorte de petite courbe ici, je sais pas si vous voyez. Et du coup, voilà. Voilà la Rome qui m'arrive sous les genoux. Voilà, c'est un tissu assez fluide. En fait, c'est la couleur qui m'avait plu et le tissu. Et du coup, j'avais acheté assez de tissu pour pouvoir me faire une robe. Et j'avais trouvé que cette robe-là irait bien. Enfin, on va rentrer dans la couture, mais voilà, c'est pas le seul projet couture que j'ai à vous montrer. Modification que j'aurais faite, je pense que j'aurais pu faire la taille plus petite parce que ici, j'ai l'impression que la manche, elle est un peu grande et qu'elle tombe et que voilà. Donc je pense que si je devrais la, enfin si je la refais, et je pense que je vais la refaire pour notamment des versions sans manches pour l'été, je ferai la plus petite taille. Là j'ai fait la deuxième taille, elle me va bien, mais je pense qu'il aurait fallu un peu plus d'aisance négative pour que la manche se tienne bien à sa place. Voilà, je pense que je le ferai pour la fois suivante. Ça rebondit ce fauteuil. Donc je pense que je le ferai comme ça pour la fois suivante. C'est un patron très simple à coudre. Je l'ai fait à la surjeteuse. Voilà, un après-midi, c'était plié. Et voilà, comme d'habitude, les patrons PDF, ce qui prend le plus de temps, c'est pas de le coudre, c'est de les assembler. Et voilà, donc je vais décalquer la plus petite version, comme ça je l'aurai pour cet été quand j'aurai envie de faire des versions sans manches ou à manches courtes. Et là, je garderai, je pense, la longueur courte pour la robe. Pour la jupe, pardon. Donc voilà, rien d'autre à dire. J'aime vraiment beaucoup. Là, jamais parce que je viens de la finir et tout ça. Mais quand il fait très froid, je pense pas que ce soit le bon choix parce que je trouve que le dos est trop dégagé pour l'hiver. Mais j'avais pas tenu en compte que le dos était aussi dégagé. Je m'étais pas rendu compte. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait dans ce jersey qui est un peu plus un jersey, disons. Ouais, d'hiver, je sais pas comment vous décrire ça, mais c'est un, voilà, c'est pas un jersey tout fin, lisse, enfin, je sais pas. Donc j'aime beaucoup, j'adore la couleur, et voilà, ma Stacy Adresse que j'ai faite il y a 2 week-ends. Donc ça c'est pour ce que je porte. On va passer d'abord au tricot, puis je vous montrerai mon autre projet couture finie. En passant par le filage, voilà, ça c'est un projet. Alors, pour les projets finis en tricot, j'en ai, il me semble, deux. J'en ai deux, un que vous avez déjà vu sur le podcast, l'épisode précédent, et l'autre que vous avez dû voir sur Instagram récemment aussi, parce que je les ai finis il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je vais les mettre là. Donc, le premier que j'ai fini, c'est mon flouf. Je ne sais plus du tout à quelle étape je vous l'ai montré sur les podcasts précédents, mais je pense qu'il ne devait pas être très très grand. Quand j'ai fini le podcast, je l'ai repris, je ne l'ai pas lâché, et le voici dans toute sa beauté. Je vais l'enfiler, quoique le col est un peu étroit. Enfin, étroit. Il faut que j'enlève mes lunettes pour pouvoir le passer. Donc, voilà Anna sans lunettes. Bizarre. Voilà, donc là, le voilà, le flouf. Donc j'enlève mes cheveux parce que là,
On voit rien. Donc c'est un patron tout simple de pull. Il est tricoté en 4,5 pour un échantillon de 19 mailles. J'ai utilisé un fil fingering que m'avait offert Laura, qui est une laine finlandaise de la marque. Je ne sais pas le prononcer, je suis désolée. Aurinkokera, quelque chose comme ça. C'est une teinturière qui va venir au Nitit. Donc je vous invite vraiment d'aller voir son stand parce qu'elle fait de très belles choses. Teinture végétale. Ici, c'était une teinture végétale à l'indigo et au weld. Je ne sais pas la traduction en français, mais c'est une autre plante, j'imagine. Et du coup, voilà, c'était des tonalités vertes-bleues, mais plutôt vert, que j'ai mélangé avec un mohair vert de Lang, le mohair luxe que j'adore. Donc, je l'ai tricoté en 4,5. J'ai eu un échantillon de 19 mailles. J'ai fait la plus petite taille, qui n'a pas beaucoup de, enfin, qui a de l'aisance suffisante. Et c'est un patron qui se tricote du haut vers le bas avec une construction assez sympathique parce que du coup, vous construisez, au fur et à mesure que vous construisez les devants et ce sorte de petite. Enfin, et l'épaule, vous construisez aussi les manches. Donc, toute cette partie-là jusqu'ici se construit d'un seul tenant. Et après, une fois que vous arrivez au total de mailles de la manche, vous allez mettre les manches en attente et là, oui, vous tricotez corps et manches séparément. Donc, c'est très intelligent comme construction. Je suis un tout petit peu moins fan de ce type de construction parce que je trouve que ça tire un peu des mailles et du coup parfois ça fait pas des finitions très très jolies. Mais bon, ça reste joli quand même. La manche, on dirait que c'est ce qu'on appelle en anglais un satin sleeve, donc les manches là qui sont faites en raccourci, mais ce n'est pas le cas. Comme je vous dis, ça a été tout construit avec des augmentations tout le long. Donc, tout ça, c'est des augmentations que l'on fait jusqu'à arriver à l'emmanchure. Et après, c'est du jersey. Avec, alors je ne sais pas si vous allez l'apprécier sur la vidéo, des rangs raccourcis ici, donc sur le dos, pour faire une petite courbe légère ici. Bon, j'espère que vous le voyez correctement. Moi, je m'étais demandé si j'allais les faire ou pas, et finalement, je les ai faits pour voir ce que ça donnait. Mais j'ai fait une version un peu plus courte, de 3 cm. Je crois que c'était 35 cm, et j'ai dû m'arrêter à 33, et puis faire les côtes, les rangs raccourcis et les côtes. Parce que je voulais pas un pull long déjà, et je voulais pas un pull long qui m'arrive sur les hanches avec ce motif de rang raccourci. Parce que je trouvais que ça allait pas être très heureux d'après ce que j'avais vu sur les projets Ravelry. Donc ça me plaisait pas, et du coup j'ai fait une version. Bon là je le mets avec la jupe, avec la robe, ça ressemble pas à grand chose. Mais en gros, il m'arrive pile à la ceinture du pantalon. Au bouton du pantalon, et du coup c'est parfait pour mettre avec un jean et avoir un petit pull un peu plus court. Voilà, j'ai utilisé 2 écheveaux entiers de 400 mètres et 2 grammes du troisième et 5 pelotes, il me semble, de mohair luxe ou 4 pelotes de mohair luxe pour la plus petite taille. Donc ça revient, malgré le fait que ce soit un fil doublé, ça revient pas extrêmement cher. Quoi d'autre? La seule modification que j'ai faite pour ce patron, c'est que toutes les finitions, enfin tous les rabattages, sont faits à l'aiguille. C'est la première fois que je fais ça. J'avais envie, le mohair me donnait un petit côté poilu et sympa, et j'avais envie du coup d'avoir une jolie finition. Et je me suis dit, tiens, tout le monde parle du rabat tubulaire, du rabat à l'aiguille et tout ça, donc je vais y aller voir des vidéos et tester un peu. Et du coup, j'ai suivi quelques tutos sur YouTube jusqu'à voir celui qui me convenait le plus. Et du coup, j'ai fait ça. Donc, le rabat tubulaire, vous le savez peut-être déjà, c'est un rabat qui vous permet d'avoir une sorte de continuation vers l'intérieur et pas une finition enfin, nette comme on pourrait avoir ici. Vous voyez, vous avez la finition là. Voilà. Un rabat normal. Et là, c'est le rabat à l'aiguille ou rabat tubulaire, je pense que ça ressemble ou c'est la même chose. Ça fait une sorte de continuation de la maille. Donc là, si je trace cette maille-là, je vais sur celle-ci. Et voilà, ça fait ce genre de finition. Donc, pareil pour le col, pareil pour le bas. Je suis très contente de ce pull. La couleur est pas forcément dans ma. Même si j'aime beaucoup les verts et que j'ai déjà des choses vertes, c'est pas forcément ce que je porte le plus. Mais je l'aime vraiment et je le porte presque. Enfin, j'ai presque honte de le porter tous les. Je le porte pas tous les jours parce que j'aurais honte que les gens en boutique le voient tous les jours avec le même vêtement. Mais, enfin, honte. Faut pas non plus exagérer, je m'en fiche un peu. Mais bon, voilà. Vous voyez vers quoi je vais. Et voilà. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est le Flouf de Skin Your Knits. Et je l'ai fait en cale avec Laura parce que Laura et moi, de temps en temps, on se fait des petits cales. Je vais vous en parler.
Et ça, c'était le modèle Flouf. C'était notre custom du 1er janvier qu'on avait fait du coup ensemble. Et pour une fois, j'ai gagné. J'ai fait le. Je me suis rattrapée par rapport aux autres quels qu'on avait fait où j'étais tout le temps à la rame et derrière et Laura m'attendait pour qu'on puisse avancer, enfin, ce genre de choses. Donc voilà, le Flouf. Suis ravie, ravie, ravie. Je l'ai tricoté en une dizaine de jours, puisqu'en 4,5, ça avance quand même assez vite. Et voilà, ça c'est le Flouf. Deuxième projet fini, c'est une paire de chaussettes que je vous ai déjà montrées. Alors, je vais déjà vous parler de peut-être si je retrouve la laine. Donc, j'ai reçu le 52 Weeks of Socks de Laine Magazine. Donc, c'est un patron, c'est un livre de 52 patrons de chaussettes. Vous avez dû le voir circuler. Voilà, donc là, on a reçu hier la deuxième remise des précommandes. Et du coup, on n'aura pas de précommandes possibles. Ils vont pas éditer le livre à nouveau avant le mois d'avril ou l'été. Et ce sera pardon, excusez-moi. Ce sera la dernière édition de ce livre. Vous aurez une opportunité au printemps-été. Après, ce sera fini. Donc vraiment, si vous le voulez, n'attendez pas. Attendez à la prochaine publication, mais ce sera la dernière d'après ce qu'ils nous ont annoncé. Donc, si vous l'avez pas, vous allez peut-être avoir une troisième opportunité de l'avoir, et sinon, ce sera fini. Donc, 52 livres, non, 52 patrons de chaussettes. Je suis assez contente parce qu'il y a des chaussettes de plusieurs types d'épaisseur. Il y a des chaussons, il y a des chaussettes pour commencer, il y a des chaussettes en dentelle, il y a des chaussettes en torsade, il y a des chaussettes en jacquard. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Personnellement, alors tout ne me plaît pas, mais c'est ce qui est bien aussi d'ailleurs, parce que ça, du coup ça plaît à plus de monde. Mais j'ai déjà sélectionné au moins 5 ou 6 patrons qui me plaisent. Alors vous allez me dire, c'est pas rentable pour le prix du bouquin, mais c'est quand même un très bel objet. Et il y a de techniques nouvelles que je connais pas, donc parfois le patron ne me plaira pas, mais me plaira la technique d'augmentation, de diminution, de choses comme ça pour la pointe, le talon et autres. Je peux très bien appliquer techniques que je connais pas pour après faire juste des chaussettes en jersey ou mettre un motif qui me plaît ou voilà, ou adapter, prendre un motif d'une chaussette et le faire. Donc après on peut se faire son propre mix ou adapter. Vous allez voir que moi je l'ai déjà fait. Donc il y a tout type d'épaisseur, il y a des chaussettes en sport, en déca, il y a des chaussons, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Et moi j'ai fait les chaussettes Porch Light. De je ne sais plus, je sais qu'elle s'appelle Lindsay, je sais pas prononcer ce prénom, et je sais pas si je vais les retrouver. Bon, bref, je ne les retrouverai pas parce que je crois qu'il n'y a pas d'index. Ah, et voilà, c'est alors sans vous montrer comment je fais pour pas vous montrer le patron. Bon, c'est quand même une autre faute. Là, je vous montre vraiment tout le patron et c'est pas très juste pour les créateurs. Bon, là, je peux vous le montrer. Donc, c'est ces chaussettes-là. Voilà, qui sont faites en tweed et il y a un peu de jacquard, etc. Donc, je vais vous les montrer. Donc, ça, c'est pour le livre de Laine Magazine des chaussettes. Et j'ai fait, du coup, cette paire-là, les Porch Light, que j'ai choisi de faire dans un reste de craquante de mon chip shop. Ça, c'est du BFL avec un peu de nylon pour les neps de tweed. De Donegal et la couleur contrastante, c'est la Regia Tweed Four Ply. Donc c'est celle-ci qui ressemble à ça, qui est tweedée. Moi je voulais absolument faire cette paire dans de la laine tweedée parce que c'est justement ce qui me plaisait dans la paire, plus que le motif, plus que le reste de. Voilà, c'était vraiment l'idée de se faire une paire de chaussettes en tweed. Et j'avais un reste cette craquante colorie Indiegogo. Je pense que c'est une base que Cindy ne fait plus. Moi, je m'étais fait avec 2 échevaux et demi, enfin, à peine 3 échevaux, j'avais fait un petit pull d'été, enfin, de printemps-été. Et il me restait quarantaine de grammes. Voilà tout ce qui me reste. J'aurais pu presque finir les pointes, mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai utilisé, je voulais comme coloris contrastant ici les crus. Donc voilà, on fait 5 rangs de jacquard, on fait le motif, 5 rangs de jacquard, et après vous faites la chaussette avec un talon renforcé, comme vous le voyez. Donc je me suis dit, bah tiens, puisque j'ai pas assez de laine, ou peut-être pas assez de laine de bleu,
je vais faire le talon et la pointe avec la couleur contrastante. Donc j'ai fait le talon tel qu'elle le dit, mais en blanc. Et pour la pointe, pour que ce soit plus joli, que ça fasse une jolie transition, j'ai fait une maille blanche, une maille bleue, voilà, un rond de jacquard en alternant les mailles. Et puis après, j'ai fait ma pointe. Donc j'ai commencé le bleu avant vraiment de commencer ma pointe, un tout petit peu avant. Parce que d'après mes calculs, j'allais pas avoir assez de laine, mais finalement, j'avais eu assez de laine. Et puis il me reste 28 grammes, il me semble, de la Regia. Donc c'est parfait parce que j'en aurai pour d'autres chaussettes. Parce que je compte pas m'arrêter là. Donc voilà mes porch lights que j'ai modifiés. Il y a uniquement deux tailles pour le patron et j'ai vu plusieurs patrons, il n'y a que deux tailles, deux, trois tailles maximum. C'est un peu mon seul regret pour ce bouquin. C'est pas très inclusif. Ce que je peux comprendre par exemple pour des patrons comme celui-ci, par exemple, celui-ci on ne pourrait pas le grader très facilement parce que le motif est un motif de X nombre de mailles et du coup on ne peut pas le grader sur peut-être 5-6 mailles, tailles. Mais c'est un peu limite quand même de proposer deux tailles uniquement parce qu'on n'a pas tous la même circonférence de pied. Bon, après, si j'avais eu envie de le faire un tout petit peu plus grand, par exemple en les faisant en 2,5 au lieu d'en 2,25, j'aurais déjà eu une autre taille de. Donc on peut jouer sur l'échantillon pour avoir aussi différentes tailles. Mais bon, voilà, vous voyez vers quoi je vous dirige. Seule modification que j'aurais faite à ce patron, c'est les rangs de jacquard. Les rangs de jacquard, je ne les aurais mais pas fait ou fait juste deux, mais pas autant parce que je trouve que ça resserre quand même un tout petit peu, même si j'avais vraiment vraiment fait l'effort de pas serrer et de faire au plus lâche possible, ça difficulte un tout petit peu le passage du coup de pied. Mais bon, c'est après ça ne serre pas une fois que c'est mis en place ni rien du tout. Donc j'ai bien, du coup, je vous montre celle-ci, mais j'ai bien la paire. Je les ai tricotés en 5 jours, sachant que entre-temps il y avait le week-end, donc le week-end je tricote plus. Et du coup, la première je l'ai faite en 3 soirées, et la deuxième je l'ai faite en la journée du dimanche. Quand j'ai fini la journée du dimanche, il me restait ça à faire. Et du coup, j'ai fini ça le lundi. Et voilà, j'avais ma paire de chaussettes. Voilà. Donc dans la Regia Twin, j'ai 4 coloris actuellement en stock. Vous pouvez les voir, ils sont en ligne aussi. Elle est vraiment vraiment géniale cette laine parce qu'il y a un bon pourcentage de laine, 75 je crois. Attendez, j'ai l'étiquette, que je vous dise pas des trucs n'importe quoi. Donc il y a 70% de laine, 25% de polyamide et 5% de viscose. Je pense que la viscose c'est les petits nappes en fait, le petit twin. Donc elle est vraiment très très douce. Pour une laine à chaussettes, elle est, je pense que c'est une des plus douces. On dirait presque qu'il y a du cachemire à l'intérieur. Elle est vraiment très très douce. Et très agréable à tricoter, très jolie avec le twin. Voilà, pile ce qu'il me fallait, ce dont j'avais envie. Et voilà pour ma paire de porch lights. Donc, je suis très contente. Et maintenant, je vais pouvoir les porter parce que j'attendais à vous les montrer pour pouvoir les porter. Donc, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir les mettre. Donc, super. Donc, voilà, ça c'est pour mes deux projets finis. Finalement, je garde le flouf. Que finalement il fait pas si chaud que ça et je regarde au cas où il y en est. Non, c'est bon. Deux, c'est très bien. J'ai actuellement trois projets en cours que vous n'avez pas du tout vus. Les autres que je vous ai montrés les dernières fois, si je vous les apporte pas, c'est parce que je les ai pas du tout touchés. Donc je vais commencer par le premier. Le premier. Alors ça, c'était un pas prévu en fait, et c'est ça que j'aime bien du tricot, justement le fait de pouvoir avoir un stash et de pouvoir tout d'un coup sortir de ta zone de confort, sortir de ce que tu avais envie de faire, sortir des trucs programmés et être créatif avec ce que tu as. Pour tout vous dire, j'avais un. Ça va empiéter sur le filage, mais c'est pas grave. J'avais commencé à filer ce que je vais vous montrer là. Et il me restait 50 grammes à filer et faire le retour à doigts que j'avais envie de faire. Donc je me suis dit, tiens, j'ai envie de filer, je vais faire ça. Mais d'abord, je vais détordre un tout petit peu un écheveau que j'avais filé et auquel j'avais mis beaucoup de torsion. C'est-à-dire que j'avais mis trop de torsion. Donc le fil, il rebiquait sur lui-même, il était pas lisse, il n'était pas très tricotable. Parce que quand il y a trop de torsion, le fil, il part un peu dans tous les sens. Bref, ça fait pas très joli. Donc, et ça fait pas du jersey tout lisse, en fait. Ça fait du jersey qui va bouger d'un côté, de l'autre, etc. Donc,
avant de finir mon projet filage, j'ai détordu un tout petit peu cet écheveau. Comment est-ce qu'on le fait? On le remet en pelote, on remet l'écheveau en pelote, et si, quand on file dans le sens de... Imaginez que j'ai deux bras. On va commencer par le début. J'ai deux bras, je vais faire un fil qui va être composé de deux bras. Mes deux bras, je vais les filer indépendamment. Je vais filer d'abord, par exemple, si j'ai 100 grammes, je vais diviser ma tresse en 100 grammes, ma laine en 100 grammes, en 50 grammes. Donc, les premiers 50 grammes, je vais les filer dans le sens de l'aiguille d'une montre. Et les deuxièmes 50 grammes, je vais aussi les filer dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vais y arriver. Ensuite, pour les filer ensemble et pour créer un fil qui est deux brins, il faut que je file les deux ensemble en donnant le sens inverse. Jusque-là, on est d'accord. Donc, si en donnant ce sens inverse, j'ai donné trop de torsion et que mon fil rebique et en gros, il fait ça. Parce que j'ai ma pelote. En gros, mon fil, quand il a trop de torsion, au lieu de se maintenir tout lisse, il va venir, voilà, faire ça ou rebiquer. Enfin, voilà. Donc, c'était celui-là que j'avais. Voilà, il va faire ce genre de choses. Voilà, parce qu'il aura trop de torsion. Là, il n'a pas trop de torsion, c'est juste que je ne l'ai pas lavé et du coup, je n'ai pas enlevé la torsion. Voilà, je n'ai pas fait les choses comme il fallait, mais c'est pas grave. Donc, c'est celui-là que j'avais enlevé. Donc, il avait encore plus de torsion que ça, beaucoup plus. Et du coup, je l'ai passé. Donc, j'avais passé déjà un premier passage dans le sens des aiguilles d'une montre, un deuxième passage dans le sens inverse. Et maintenant, pour détordre un tout petit peu, il fallait que je fasse dans le sens des aiguilles d'une montre à nouveau. Donc j'ai fait ça et en fait en le voyant, je me dis tiens qu'est-ce que je pourrais faire avec ça parce que moi mon grand truc avec les fils, fil et main, c'est que je ne sais jamais ce que je vais faire avec. Parce que je file des petites quantités, donc des 100 grammes, des 50 grammes et après je me retrouve avec plein d'écheveaux que je ne sais pas quoi faire avec et dont je ne sais pas quoi faire avec. Et du coup celui-ci, il a un tout petit peu de turquoise. C'était une tresse avec plusieurs matières, il y avait du Shetland, de l'alpaga, du Seychelles. Enfin, bref, il y avait plusieurs matières à l'intérieur. Et en fait, ce turquoise m'a fait penser à un autre écheveau que j'avais filé, que Julie m'avait teint mais avait surteint parce que je ne trouvais pas la couleur assez saturée et ça ne me plaisait pas beaucoup. Et du coup, le turquoise m'avait fait penser à celui-ci. Et du coup, je les ai mis ensemble et je me suis dit, tiens, ce serait super cool de me tricoter un truc en fil et main. J'ai rien dans mes fils et main. J'avais filé une paire de chaussettes à ma mère, je l'avais tricotée. C'était vraiment le seul gros projet que j'avais tricoté avec des fils et main. Mais rien pour moi. Enfin, ça fait bientôt 2 ans que je file et j'ai toujours rien dans tout ça. Donc voilà, j'avais vraiment envie de me faire un truc. Et du coup, c'est venu comme ça. J'ai cherché des patrons sur Ravelry. Je m'étais dit, un châle, ce serait bien. Mais tout ce que je voyais en châle ne me plaisait pas. En plus, j'aime pas tricoter des châles. Donc, pourquoi me forcer à porter des châles? Enfin, tricoter des châles alors qu'après, voilà. Puis après, les châles, ça va avec rien. Voilà, j'étais partie un peu dans ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas un petit pull à rayures ou avec un jacquard ou je ne sais pas, un truc comme ça. Du coup, je suis allée du côté des pulls et j'ai trouvé le pull Sailor Moon. Oui, comme le petit dessin animé japonais. Le pull Sailor Moon qui est un pull à rayures. Et qui en plus a une construction assez sympa que j'avais jamais tricoté. Et du coup, ça m'a donné envie de le monter rapidement sur mes aiguilles, ce que j'ai fait le jour même. D'où le fait que celui-ci, il n'a pas été lavé parce que j'étais impatiente. Et il est gardé un tout petit peu de torsion encore. Mais bon, ça va s'enlever au lavage et ça va pas, c'est pas très grave. Vous avez vu que j'essaye de m'auto-convaincre que c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est mon Sailor Moon que je vais vous montrer. Donc ça a été un tricot hyper. Comme vous voyez, en ce moment je suis assez monoprojet. Depuis que j'ai tricoté mon Azor en monoprojet et que j'ai fait ça, bon, voilà, je suis hyper motivée à nouveau avec le tricot et le fait d'être monoprojet en ce moment me convient très très bien. Et voilà le Sailor Moon. Donc là. Il ressemble pas à grand chose parce que le filet main, comme il est un peu irrégulier, ben, ça dit peut-être pas grand chose. Donc, ça c'est le devant. Ça c'est le devant. J'ai déjà commencé à tricoter en rond et ça c'est le dos. Donc, là le dos, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, là vous voyez, bon, cette partie-là a été bloquée. C'est pour ça que ça a une texture différente. Il y a une différente texture un peu. Donc, ça c'est le dos. Le dos en fait, on commence par ce petit triangle.
avec une sorte de garter tam qui n'est pas un garter tam. Et du coup, on fait comme si c'était un châle, ce triangle-là, tac, tout ce triangle-là, pour construire le dos. Ensuite, une fois qu'on a construit le dos, on vient récupérer, on a mis en attente les mailles d'ici et les mailles de là, et on vient tricoter une grosse bande qui va se transformer, cette bande-là, tac, 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 en épaule et en devant. Voilà, ça c'est la bande en fait qu'on sort d'un côté du triangle, et pareil, de l'autre côté du triangle. Et là, c'est la partie qui n'a pas été bloquée. Là, de l'autre partie du triangle, on récupère les mailles et on tricote une énorme bande qui va devenir épaule et devant. Donc là, vous voyez, ça fait comme ça. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas du tout de couture sur les épaules. Et là, une fois que vous avez atteint la longueur pour le devant, vous allez tout remettre en circulaire et vous allez relever les mailles sur le dos, parce que le dos, comme c'était un triangle, au fur et à mesure, alors il est... Voilà, au fur et à mesure, bah, voilà. Et du coup, il a fallu relever des mailles ici pour pouvoir les tricoter. Attendez, je perds les mailles. Pour pouvoir les tricoter et pouvoir mettre en rond. Et là, maintenant, c'est en rond jusqu'à une vingtaine de centimes. Bon, moi, je vais le faire plus cropped que ce qu'il est recommandé. Parce que tout simplement, j'ai pas assez de laine en fait. Comme vous voyez, il me reste plus que ça de la laine verte, bleue, turquoise. Et en fait. J'ai un petit mini aussi qui ne doit pas faire grand-chose de poids, ni beaucoup de métrage. Donc j'ai que ça. Et normalement, il faut que je fasse le corps et des manches trois quarts. Donc j'aurai jamais assez de laine. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est que déjà je vais le faire plus court parce que je veux que ce soit un petit top d'été ou de printemps parce que c'est de l'alpaga. Alpaga soit Shetland. Donc je ne pense pas que ce soit un truc comment, d'été. Mais de printemps, et je veux quelque chose d'un peu cropped pour pouvoir mettre avec des jupes et des pantalons taille haute. Et une fois que j'aurai fait, donc là j'ai prévu le fait de le faire aussi long que mon top jean noir. Donc j'ai mesuré, il me semblait que c'était, j'ai déjà oublié, il faudra que je remesure, je crois que c'est 28 cm au total, à peine 30 cm. Donc là il faut que je fasse 22 cm en rayure, et après s'il y a une sorte de panneau de dentelle sur le bas. Que je vais faire dans la couleur foncée. Et une fois que j'aurai fait ça, si j'ai de la laine, je fais des petites manches. Sinon, je laisse comme ça parce que c'est des manches qui vont être tombantes. Donc, je bloquerai le tout avant de faire les manches. Une fois que j'aurai fini le corps, je bloque, j'essaye et je prends une décision en fonction de la laine qui me reste. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je suis très contente de tricoter mon fil et main. Le projet est totalement en dehors de ma zone de confort, mais je suis très contente d'avoir poussé. Cette créativité-là, parce que je trouve que déjà je suis très contente de tricoter mon fil et main, de voir ce que ça donne une fois tricoté, de penser que j'ai passé des heures et des heures et des heures à filer ces deux fils, que voilà, que en plus celui-là il a été teint par Julie, mon amie. Donc voilà, enfin, je suis hyper ravie de tricoter ça, même si c'est, et vous le devinez parce que vous me connaissez maintenant, c'est totalement en dehors de ma zone de confort. Mais je pense que je vais quand même le porter avec beaucoup de plaisir si le résultat est joli. Sinon, bah, je détricoterai, je retricoterai un autre truc. Voilà, voilà pour le Sailor Moon. En plus, le nom, j'adore le nom. Moi, je regardais Sailor Moon quand j'étais toute petite. Je devais avoir 6-7 ans quand je regardais Sailor Moon. Donc, je sais pas si ça vient de ça d'ailleurs. Non, ça vient de Sailor parce que Sailor, c'est marin et ça, c'est une marinière. Enfin, je sais pas. Ou c'est un jeu un peu. Je sais pas. La créatrice, je sais plus le nom, mais comme d'habitude, je vous mets les notes du podcast sous la vidéo, sous la description de la vidéo, et je vous mets bien sûr les notes du podcast qui sont en lien avec ma page Ravelry et mes projets Ravelry. Donc comme ça, vous pouvez voir toutes les informations, la créatrice, accéder au patron, regarder les caractéristiques. Je tricote aussi la plus petite taille et je tricote, il me semble que c'est des 3,5. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai le bon échantillon. J'avais calculé à peu près, j'étais partie pour la deuxième taille et quand j'ai mesuré, je pense que c'était plus lâche que voilà, et c'est pour ça que je fais la plus petite taille. Donc voilà pour le Sailor Moon, vraiment projet très très addictif, mais que j'ai dû laisser de côté pour ma paire de chaussettes qui était encore plus addictif. Et maintenant je repars à ça. J'ai un autre projet que j'ai monté ce matin, et ça c'est un projet très chouette parce que déjà c'est un nouveau projet, donc moi j'adore monter des projets. Et parce que c'est mon premier projet pour l'été. J'ai reçu un nouveau fil, enfin, j'ai commandé un nouveau fil pour déjà le tester. Et après, je ne l'aurai que au knitit. Et c'est que à partir du knitit que je l'aurai après en boutique. C'est le
Studio Linen de Erika Knight. Donc, comme vous savez, j'ai déjà un fil d'Erika Knight et que j'aime beaucoup, et vous aussi, le White Wool. Et maintenant, j'avais envie de rentrer de nouveaux fils pour l'été. Vous savez que moi, j'adore tricoter les matières végétales et que, en tant que tricoteuse et en tant que faisant partie de mon identité, je ne peux pas concevoir de ne pas porter de trucs tricotés ou de ne pas tricoter en été. Et du coup, je tricote des matières végétales, en plus que j'adore porter ça et j'adore les tricoter. Donc, j'avais vu ça l'année dernière, je ne l'avais pas pris, puis cette année, ça m'a donné envie de le prendre. Donc, le Studio Linen, c'est du lien et de la viscose de lin. Donc, c'est du lin, la viscose de lin, c'est du lin recyclé qui recycle. Tout est expliqué à l'intérieur de l'étiquette. En fait, ils reçoivent du lin, ils le recyclent, et du coup, ils ne peuvent pas l'appeler lin, donc c'est de la viscose de lin. Et il y a un pourcentage de lin, donc il y a 85% de viscose de lin et 15% de lin qui, lui, n'a pas été recyclé, mais il a été intégré sans avoir été, enfin, en matière première brute. C'est un fil qui se tricote, il y a 50 grammes 120 mètres, donc c'est de la sport déca. Il le recommande en 3,75 et 4 mm. Moi, ce coloris prune foncé violet, c'est pas vraiment prune, c'est plus violet foncé, c'est un très joli coloris d'ailleurs, que j'aime beaucoup, c'est le coloris Velvet. Et voilà, et c'est de la marque Erika Knight, c'est fait en Italie. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et j'ai commencé, donc, comme vous pouvez le voir, je l'ai mis déjà en cake. Et j'ai commencé ce matin, donc j'ai fait 4 rangs ou 3 rangs. Un patron qui est, bon là ça ressemble à rien, ça ressemble à 2 rangs de tricot. Bon, pour vous le montrer. En 3,75, dans mes symphonies, je tricote de plus en plus. Je reviens beaucoup à mes aiguilles en bois. Le Sailor Moon, je le tricote dans mes symphonies. Et là, pareil, je ne sais pas pourquoi, dernièrement, j'ai pas envie d'aiguilles en métal. Je reviens à mes premières aiguilles. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un moment, je tricotais que avec les Xiaogu. Et depuis un moment, j'ai plus envie. J'ai envie de symphonie ou de bois, et c'est ce que je fais, voilà. Même si le câble micro ne me plaît, c'est pas celui qui me plaît le plus, mais ça va, je me suis réhabituée à l'utiliser. Donc je disais que j'ai monté le patron ST de Justina Lorkowska. C'est un t-shirt tout simple en jersey avec deux panneaux sur les manches. En fait, c'est des panneaux de dentelle, une dentelle très simple. Voilà, je fais pareil, la plus petite taille, parce que la plus petite taille, c'est, il y a, il, enfin, la plus petite taille, c'est 100 cm de tour de poitrine, sachant que moi, je fais 82 de tour de poitrine, je vais avoir largement d'aisance, et le patron est en français, donc le patron de Justina Lorkowska, ST, il est en français, c'est un... Moi je vais faire pareil, plus court que ce qu'elle recommande, parce que je pense pas que je le porte avec des jeans, je vais plutôt le porter avec des jupes pour l'été, du coup si je le fais trop long, ça ira pas très bien avec ça, donc je pense que je le ferai, ouais, à 30 cm, 28-30 cm, c'est généralement la bonne taille pour ça, et voilà, donc j'ai hâte de continuer, je pense que je vais avancer déjà un tout petit peu plus sur mon Sailor Moon, ou le laisser pour le Sailor Moon, je vais le laisser pour les projets comme il est en rond là en moins, pour les moments d'interaction sociale. Donc je pense que demain soir et vendredi soir à la Knit Night, j'aurai ça, et ça je vais le laisser pour la maison, pour les moments où comme il faut un peu réfléchir pour la dentelle, j'ai pas envie de me tromper, de devoir défaire. Donc celui-là, vous pourrez le voir fini pour le Knit It, j'espère. Voilà. Et vous aurez donc sur mon stand la Studio Linen de Erika Knight. Donc je commence déjà à vous donner des choses pour le Knit It. Petit à petit, je vais vous montrer. Donc là, dès le mois de mars, j'avais dit que je commençais à vous montrer les choses que j'allais apporter au Knit It, sachant qu'il y a beaucoup de nouveautés. Et parlant de Knit It, j'ai deux entrées à vous faire gagner. Donc tout simplement, je vais le faire, comme il y a beaucoup de podcasteuses et de gens qui l'ont proposé sur Instagram, moi je vais le proposer juste pour vous, pour mon audience YouTube, et je vous propose de vous faire gagner une entrée, enfin à deux personnes différentes.
Juste laissez un commentaire si vous voulez être tiré au sort. Donc, si vous voulez vous laisser juste un commentaire en me disant, ah bah moi j'aimerais bien voilà, avoir une entrée parce que je prévois d'y aller tel jour ou tel jour. Alors, participez bien si vous comptez vraiment y aller, parce que sinon ça enlève la place, ça enlève les opportunités aux autres qui vont aller vraiment de pouvoir les gagner. Donc, si vous allez comptez vraiment aller au Meet It, ou si le fait de gagner une entrée vous aiderait à y aller, laissez un petit commentaire et je ferai un tirage au sort aujourd'hui ou le mercredi. Bon allez, je vous donne une semaine. Mercredi prochain, jeudi prochain, je ferai un tirage au sort pour vous dire qui dans les commentaires a gagné une entrée. Donc deux personnes auront gagné deux entrées pour le Meet It le 4 et 5 avril à Lyon, à côté de la gare Perrache, l'Embarcadère, ça s'appelle le lieu. Donc voilà. Ça, c'est pour le dit. J'ai pas oublié de le dire parce que la dernière fois j'étais déjà censée le dire et j'avais déjà oublié. Et je vais vous montrer maintenant le filage. Donc, le filage, j'ai fait ceci. C'est un écheveau de 100% mérinos teint par Hedgehog Fibers que m'a offert Cindy de mon Sheep Shop avant Noël ou vers Noël. Un tout petit peu avant Noël. Et en fait, j'avais filé, dès qu'elle me l'avait offert, je l'avais mis sur mon rouet, j'avais filé 50 grammes et il me restait 50 grammes et le retors, comme je vous avais dit. Donc, j'ai décidé de faire un fractal. Donc, le fractal fait cet effet un peu. Vous voyez, il y a des brins où il y a les couleurs coïncident et du coup, vous avez des choses assez proches en couleurs et il y a des moments où les couleurs ne coïncident pas du tout et du coup, ça fait ça. Voilà. C'est très à la mode parce qu'il y a Spin Cycle qui fait des choses un peu similaires à ça. Mais franchement, on n'a pas besoin de payer 30 euros pour avoir un écheveau de ça. Si vous savez filer, il vous suffit un peu de fibre qui est beaucoup moins chère d'ailleurs, la fibre que la laine. Et bon, là, c'est un cadeau en plus. Donc voilà. Et vous avez des beaux écheveaux comme ça. Donc moi, je pense que j'ai obtenu quelque chose entre de la sport et de la déca, où il y a des moments plus épais, il y a des moments où c'est plus fin, parce que c'est un fil un peu irrégulier. Là, vous voyez, j'ai des moments où le fil devient un peu plus gros. Et je vais voir quel métrage, parce que je suis une fileuse pas très académique, on va dire, et je compte pas les métrages. C'est pour ça que j'ai fait ça, j'ai pas assez de laine, enfin le sélior mousse, j'ai pas assez de laine et tout ça. Là, je vais compter le métrage que j'ai parce que j'aimerais me faire un petit top. Peut-être le Nausicaa de Audrey, de Yarnflex, si j'ai assez de laine. Même si elle le recommande en fingering et moi j'ai plutôt de la sport. Mais c'est pas très grave. Pour un petit top comme ça, cropped sans manches, ça pourrait être sympa. Voilà, parce que j'ai plusieurs choses qui pourraient aller avec, comme jupe ou avec un jean et un pull par-dessus, un gilet par-dessus, des choses comme ça. Donc si j'ai assez de laine pour ça, je pense que je vais faire ça. Mais voilà. Encore une fois, un écheveau tout seul qui n'a pas de. Mais bon, c'est moi ce qui me plaît dans le filage, c'est le filage en soi. C'est pas tant le projet. D'ailleurs, je vais vous parler un tout petit peu de stash parce que j'ai lu dernièrement, j'ai eu pour Noël un Kindle. C'est pas de la pub pour Amazon, je suis désolée, je suis pas sponsorisée, mais. Et ouais, je suis juste une fan, et enfin fan de Kindle, pas de Kindle particulièrement, mais de e-book. Pas parce que je suis une fan de e-book en soi, mais parce que le e-book me permet de lire en même temps que je tricote. Depuis que je tricote, j'avais perdu un peu l'habitude de lire, aussi parce que j'avais fait un burn-out académique et que je faisais des études de littérature, donc voilà. J'avais mis la lecture un peu en pause, je la reprenais que quand j'étais en vacances ou des choses comme ça, parce que j'aime vraiment l'objet livre et j'aime vraiment lire à partir d'un livre, parce que j'aime bien tenir le livre comme un livre, c'est-à-dire avec les pages des deux côtés, etc. Alors que l'e-book ou la liseuse ne te permet pas du tout ça. En revanche, il me permet j'essaye de retrouver les bouquins. Il me permet de lire en tricotant ou en ayant une autre activité à côté. Et ça, c'est très agréable. Surtout que je tricote beaucoup de jersey, donc ça me permet de faire du jersey, la mer de jersey en lisant. Et j'ai retrouvé le goût pour la lecture. D'ailleurs, depuis janvier, j'ai lu 1, 2, 3. J'ai lu 3 livres et demi parce que The Witcher, je l'ai en 59%. Et j'ai 20% de celui que je lis actuellement. Donc depuis janvier, donc ça fait à peine 2 mois et quelques jours,
J'ai lu un, deux, trois, presque quatre livres. Alors que normalement, par an, je lisais deux livres. Donc voilà, je suis assez contente, non pas par la quantité, mais par la qualité et par le fait de retrouver une activité qui me plaît vraiment beaucoup. Donc comment je lis? Je mets mon petit bouquin dans un petit. Enfin, mon copain avait acheté des petits. C'est des petits trucs qu'on peut poser, comme si on pouvait, comme pour poser les livres de cuisine ou les téléphones, une sorte de petit support. Et du coup, je mets mon livre dans mon petit support que je mets à côté. Et je tricote, je tricote, je tricote, et en même temps, je peux lire. J'ai mis comme on peut changer en plus la taille des lettres, ou des mots, j'ai mis des mots un peu grands, et comme ça, je les vois d'une certaine distance, j'ai pas besoin d'avoir mon livre sous le nez. Et du coup, de temps en temps, quand j'ai fini ma page, je clique sur la page, et j'ai pas à tourner la page, le livre il tombe, j'ai à mettre mon téléphone par-dessus, alors que sur mon téléphone, j'ai aussi mon patron, donc il faut que je prenne le patron, le livre se ferme, je sais plus par qui. Enfin bref, lire en papier, en tricotant, j'ai trouvé ça extrêmement encombrant, alors qu'avec ça, c'est vraiment un plaisir. Et un plaisir de redécouvrir la lecture, et un plaisir de découvrir une autrice que j'avais pas lue jusqu'à maintenant, parce que sous les bouquins, on les trouve que sur Internet, etc., qui est Clara Parks. Clara Parks, c'est la première critique de laine au monde. Elle a créé un blog il y a plusieurs dizaines d'années où elle faisait des reviews, donc des opinions sur les laines qu'elle tricotait ou qu'on lui envoyait, etc. C'est comme ça que son métier s'est développé et maintenant elle en est à son je ne sais pas combien de livres. Donc elle a écrit des livres sur la laine, des livres sur les chaussettes et elle a écrit des livres sur des aventures tricotesques ou des choses qui lui ont arrivé. Ou par exemple celui duquel je veux vous parler aujourd'hui parce que j'en ai lu maintenant. Je suis au troisième livre de Clara Parks. J'ai lu donc celui du stage qui s'appelle A Stash of One's Own et c'est un recueil d'histoires sur le stage de plusieurs personnes. Une bonne dizaine, presque vingtaine de personnes, elle a dû les contacter. Ce sont des personnes qui sont connues dans le monde anglophone du tricot. Et ils ont écrit leur approche du stage. Pourquoi eux, ils ont un stage ou ils n'ont pas de stage. Comment ils vivent leur stage ou des choses ou des aventures ou des anecdotes autour du stage. Alors, il y a des parties qui m'ont fait totalement pleurer parce qu'il y a des personnes qui ont récupéré des stages de leur mère ou il y a eu des. Enfin voilà, il y a des histoires vraiment, vraiment. Émouvant, enfin je sais pas si ils vont exister. Enfin, voilà des histoires vraiment très belles et il y a des histoires qui sont intéressantes par leur approche. Donc le stage comme symbole féministe, le stage comme symbole de libération par rapport à beaucoup de choses, l'absence de stage en termes de libération. Il y avait une personne qui n'a pas de stage parce qu'elle se sentait mieux comme ça et que dès qu'elle voulait un projet, elle allait acheter la laine et puis voilà. Donc il y a plein d'histoires comme ça. Et j'ai beaucoup aimé, je l'ai lu, mais en 3 jours, parce que j'ai trouvé ça passionnant dans le sens où ça m'a permis, moi, de découvrir ou de me positionner par rapport à tout ça. Donc, j'ai un grand stage, j'ai pas un stage énorme, mais j'ai un grand stage. Enfin, tout va dépendre de avec qui on compare, en fait. Mais j'ai un stage que je considère qui est quand même important. Parce que c'est un stage souvenir. Pour la plupart des choses, c'est un stage qui est soit cadeau, soit souvenir d'endroit. En fait, moi, j'achète pas de laine en ligne pour des besoins particuliers parce que j'ai déjà ma boutique, donc ce qui est logique. Donc, quand j'ai un besoin ou j'ai une envie ou voilà, je prends de ma boutique qui est mon plus grand stage. Et mon stage personnel, c'est un stage que j'ai acheté dans des festivals, donc souvent avec des amis ou avec de la famille, donc c'est un souvenir, ou en voyage, ou que j'ai reçu en cadeau. Du coup, c'est un stage que j'aime beaucoup. J'aime tous les échelons de mon stage, je ne peux pas m'en séparer. Je ne voudrais pas faire de déstage sur mon stage parce que je l'adore, même les restes. Et voilà, c'est mon stage, et mon stage, c'est pour moi. Une infinité de possibilités. Ce qui, au début, comme tricoteuse, je trouvais horrible d'avoir du stage parce que c'était trop de possibilités, aujourd'hui me donne la liberté de pouvoir choisir ce que je veux faire. Demain, je veux faire un pull parce qu'il est sorti, parce que je l'adore et j'ai la laine dans mon stage, je vais pouvoir le castonner.
Demain, je veux créer un patron de X soit et j'ai la laine dans mon stage, je vais pouvoir le faire sans devoir passer à travers le fait de devoir aller chercher la laine, devoir aller acheter la laine, commander la laine en ligne et attendre pour le recevoir. Mon stage me donne de la satisfaction immédiate pour quelque chose qui pour moi est important et c'est le fait de pouvoir monter les projets. Parce que c'est la partie qui m'intéresse le plus du tricot et c'est la partie qui me donne le plus de joie, c'est de pouvoir monter un nouveau projet et commencer une nouvelle étape sur mes aiguilles. C'est vraiment pour moi une joie immense. C'est pour ça que j'ai beaucoup de projets sur mes aiguilles. Il y a des amis qui me taquinent un peu avec ça, mais pour moi, c'est totalement. Alors, parfois, ça peut être source de stress d'avoir beaucoup de projets, je l'avoue. C'est pour ça que j'en ai pas 20 000 non plus et que je me contrôle un tout petit peu. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment un super moment, le fait de pouvoir monter un nouveau projet, c'est de l'excitation, c'est de la joie, c'est plein de possibilités, c'est comment il va être fini, comment je vais le porter, comment, enfin voilà, c'est, je me projette déjà dans le futur de ce projet-là, mais je sais que je vais passer de bons moments avec ce projet-là. Et en plus, souvent, les parties dans les projets, en tout cas que je tricote, les parties les plus intéressantes sont au début. Parce que les top-down, les choses comme ça, il y a toute la partie qui est au début, qui est un peu la plus intéressante au niveau technique. Et après, c'est du jersey, ou après, c'est des trucs un peu plus, voilà, plus facile, plus rapide à tricoter. Donc, pour moi, mon stage, c'est toute cette infinité de possibilités avec la laine que j'ai, de pouvoir jouer, de pouvoir imaginer. Parce que je pense que le tricot, ce n'est pas juste j'achète de la laine, je tricote, je porte ou j'offre. Je pense que dans le tricot et dans notre tricot actuel qui est ouvert sur les réseaux, sur Ravelry et sur une infinité d'informations, c'est aussi l'infinité imaginative, c'est-à-dire de pouvoir imaginer, de pouvoir se recréer, de pouvoir passer de bons moments en imaginant ce qu'on va réaliser avec les laines qu'on a ou les laines qu'on va potentiellement pouvoir acheter. Et c'est ça le côté sympa aussi des festivals, des boutiques de laine et tout ça, c'est le côté rêveur, le côté de pouvoir rêver au maximum des capacités de ce que ces laines vont devenir éventuellement, même si un jour on ne les tricote pas du tout, hein, même si on les achète et on les admire et on finit par ne pas les tricoter. Mais c'est l'infinité de possibilités que ça nous donne en tant que personne créative, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on réalise quelque chose de nos mains, il y a le côté créateur, il y a le côté artiste, artisanal aussi, et ça c'est un peu le côté qu'a fait ressortir ce bouquin en moi que j'avais un peu oublié. On n'est pas juste des exécutrices d'explications. Je prends des explications, je prends la laine qui va avec, je les fais et comme ça je porte. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'on est des artisanes, des artistes, parce ouais, par exemple ici je fais avec du fil des mains, donc j'ai dû faire mon fil, faire le mélange, penser à la couleur, enfin voilà. Il y a tellement de choses qui vont avec que finalement, il faut pas oublier, il faut pas le détacher du côté vraiment créateur et de créatrice et quelque part d'artiste. Et voilà, ce livre a fait vraiment pousser cette vision. C'est cette vision-là qui est ressortie. Et c'est vraiment comme ça que je perçois mon stage. Donc voilà, je voulais partager avec vous un peu cette opinion-là que j'ai ressentie de ce bouquin. Le bouquin est en anglais, A Stash of One Zone, si je ne me trompe pas, voilà. Donc si vous lisez en anglais ou si vous comprenez l'anglais, c'est pas un livre difficile parce que c'est pas de la littérature compliquée avec des phrases, voilà. C'est vraiment de la littérature facile à lire en anglais si vous êtes à un niveau intermédiaire. Donc je vous encourage vraiment d'aller les voir. Je pense que les livres, je me les achèterai en format papier pour les avoir juste pour l'objet. Parce que je sais qu'en achetant sur e-book, on ne fait pas gagner une masse d'argent à la personne qui l'a écrit, à l'auteur. Donc je pense que surtout celui-là, je pense que je vais l'acheter en papier bientôt. Donc voilà, je vous parlerai des autres dans les prochains épisodes, parce que maintenant il faut que j'ouvre la boutique, il est 14 h. Et je vous parlerai aussi du cal qu'on a prévu avec Laura sur le cal parental. On vous invite sur Instagram, c'est un cal qui se passe sur Instagram, à nous rejoindre pour tricoter ou pour continuer des projets que vous avez déjà en cours pour votre famille, vos amis, vos cadeaux en fait. Nous, on a chacune un cadeau à faire à nos parents, à nos pères plus particulièrement. Moi, c'est un pull, Laura, c'est un gilet.
On a des pères qui sont assez grands, donc on s'est motivés ensemble, on s'est dit, tiens, on va faire le cal ensemble. Et du coup, on l'a proposé sur Instagram pour vous, donc c'est le hashtag calparental. Je vous en parlerai un tout petit peu plus la prochaine fois, parce que là, j'ai juste fait un échantillon que je n'aime pas, et du coup, je vais faire quelque chose je vais continuer à échantillonner pour trouver vraiment quelque chose qui convienne le plus. Voilà, je vous en parlerai un tout petit peu plus après. Je vous souhaite une très bonne semaine, mois de mars, etc. Et je vous dis à très bientôt. Salut!